Alors ça, c'est un truc génial. J'avais adoré ce bouquin, il était plus disponible. Ça s'appelle « L'histoire des grandes erreurs de management » de Christine Kertelan. C'est chez Folio. C'était paru chez Gallimard. On en avait vendu, mais vraiment énormément. C'était chez Noël, hein, pas Gallimard. On en avait vendu énormément quand c'était paru. Et c'est un livre absolument fantastique. C'est toutes les erreurs, enfin, vous voyez, toutes les chefs d'entreprise, mais des grandes entreprises américaines, qui racontent comment leurs erreurs leur ont servi pour leur carrière professionnelle après. Parce que la différence entre les pays anglo-saxons et les pays latins ou français, par exemple en France, l'erreur n'est pas, vous voyez, ça fait partie du parcours professionnel, une erreur dans les pays anglo-saxons, alors qu'en France, c'est éliminatoire. Hein, vous avez fait une erreur, même légère ou limite, c'est marqué dans vos curriculum vitae, ça vous suit toute votre vie. C'est hyper édifiant. Moi, j'avais adoré, ça se lit comme un roman d'aventure, où les losers, en fait, plus tard vont devenir des winners. Je peux vous le conseiller parce que même si vous n'aimez pas l'économie, et moi je trouve que si vous avez des enfants qui veulent se lancer et tout, vous pouvez leur faire lire ça. Ça peut les aider, même s'ils se plantent, ils verront que se planter n'est pas forcément négatif. C'est génial de chez génial, ça s'appelle Histoire des grandes erreurs du management de Christy Kerdelan. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.